La CTC, Abraham Nagy. En numéro 11 pour la chorale, Mathéo Chartier et Iliam Février. Alors Mathéo va faire son entrée. En numéro 12, côté la chorale, c'est Cyprien Bisset qui va arriver. Du côté de la CTC Sud, c'est Théo Cotéon. Et en numéro 13, côté corallien, c'est Zakaria Merchigui. Et en CTC Sud, il n'y a pas de numéro 13, mais c'est un numéro 14, Wissem Zarbout. Alors c'est tout simplement donc la 49e édition du tournoi international de Pâques, avec deux clubs qu'on connaît. Alors c'était pas sous la forme de CTC Sud l'année dernière où étaient présents les premiers finalistes et la chorale Loire. Donc ce sont des habitués du tournoi de Pâques. Juste avant, il y a eu la finale du tournoi Loire-Forêt qui opposait Feu Rosier face à l'équipe 2 de la chorale de Rouen, et c'est Feu Rosier qui a gagné de 11 points de mémoire face à la chorale. Un beau match serré, l'écart a été fait vraiment en toute fin de match. L'hymne national. L'assistance aujourd'hui, toutes les équipes sont présentes. Ça va être l'apothéose du tournoi face à deux belles équipes qui ont réalisé un sans faute pendant tout le tournoi. On devra avoir une belle finale accrochée. Alors au niveau de la CTC, un peu moins de joueurs, 8 joueurs. On va voir si la fatigue cumulée pendant le tournoi va être prédominante à un moment donné dans le match. Au niveau des arbitres, Alban Thibault et Théo Aparcel qui vont officier pour cette finale. Souligner que le tournoi international, justement, sert aux formateurs pour évaluer les différents arbitres, aussi bien arbitres régionaux pour le tournoi international que les arbitres départementaux pour le tournoi Loire-Forêt. À la table de marque, les officiels du basket club de Montbrison qui ont l'habitude d'officier dans les championnats, notamment championnat de France pour Mireille Arthaud, qui était présente hier soir lors de la rencontre BCM Pont-de-Cherui. Elle sera assistée de Isabelle Boss, Denis Chambron et Laurent Bory en tant que speaker. Un petit rappel des équipes qui ont été présentes lors de cette 49e édition. Donc il y avait la sélection de la Loire, Bratunac, une équipe de Bosnie, qui était en demi-finale d'ailleurs, ce matin, face à... Non, qui n'était pas, on nous fait un quart final, excusez-moi. C'était Sud 93, donc c'est l'île de France. Cézanne, la ville qui est jumelée avec Montbrison. Mataro, des habitués du tournoi de Pâques. La chorale de Rouen. La sélection du Doubs. La Pontoise, Cornelia, un club d'Espagne, Pino Torinese, club italien, la CLFB, Centre Loire-Forêt Basket,
Il y a une coopération territoriale entre Montbrison et Saint-Romain-le-Puy. Et Asteken, un club de Belges. Concernant le tournoi Loire-Forêt, il y avait donc Vauche, Lorette, Boin, Andrézieux, la Grelfeur, l'équipe 2 de Rouen et l'équipe 2 du Centre Loire-Forêt Basket. Alors juste avant le final, il y avait un petit spectacle de Final Street qui est du basket acrobatique, originaire de Boin. On nous a offert un joli spectacle entre les deux finales. Alors la rencontre dans cette finale, ça va se jouer en 4 périodes de 8 minutes. Durant tout le tournoi, c'était 4 périodes de 6 minutes. Et pour la finale, on passe sur un temps, on va dire, standard en 8-13. Bien entendu, ces deux équipes évoluent en région. Pour ce qui est du tournoi de Loire-Forêt, la deuxième mi-temps a été filmée par montbrisontv.com, par Richard. Vous retrouverez la deuxième mi-temps de ce tournoi Loire-Forêt en replay à partir de demain sur le site de montbrisontv.com. Et concernant cette finale, donc, qui est diffusée en direct, vous allez aussi la retrouver à partir de demain sur le site montbrisontv.com en replay. Ce qui peut laisser un souvenir pour les joueurs, afin de se revoir. Et puis peut-être pour les familles qui ont l'occasion de regarder leur enfant aujourd'hui, qui n'ont pas pu se déplacer, et puis pourquoi pas, pour ceux qui ne le peuvent pas ou ceux qui le souhaitent, le regarder avec leur enfant une deuxième fois. C'est toujours un grand souvenir. Sachez que ce tournoi-là, c'est l'un des plus anciens français, l'un des plus anciens en Europe, sans interruption. L'année prochaine, ça sera le 50e anniversaire. Et depuis 2018, il est labellisé tournoi FIBA. Par le niveau de jeu qui est proposé parmi les U13, qui récompense aussi toute la qualité d'organisation. Les deux arbitres qui font leur entrée. Les dernières consignes. On va l'entrée en match. Des joueurs, des 10 acteurs. L'échange traditionnel des cadeaux. Alors, souvent en U13, ça fait partie des premières finales où devant un public assez nombreux. Je n'ai pas forcément habitué dans cet âge-là à évoluer devant tant de monde et un peu plus de 1000 personnes dans cette salle actuellement. Les tribunes sont bien garnies. Donc, il y a toujours un petit facteur émotionnel qui peut compter sur certains joueurs, qui peut jouer sur la concentration. Du côté de la chorale de Rouen, en numéro 8, Gabriel Richard. En numéro 10, Johan Lambert. En numéro 12, Cyprien Bisset. En numéro 9, Théo Deschelettes. Et en numéro 7, Matteo Vergia. Et du côté de la CTC Sud, en numéro 14, Wissam Zarbout. En numéro 6, Elijah Abrin. En numéro 12, Théo Cotéon. En numéro 11, Iliam Février. Et j'ai dû citer pas tout le monde. Premier tir à 3 points de Johan Lambert.
une interception derrière, pourquoi pas. Non, c'était Sud. Fury qui essaie de jouer l'un contre un et qui provoque la faute. La numéro 7, je n'avais pas cité, Suliam Cabral Semedo. Touche fine de fond pour la CTC Sud. Fébri qui cherche à jouer Xarbout. Allez, on essaie de jouer le jeu rapide du côté de la chorale de Rouen. Non, toujours pas les deux premiers points. Et avec le rebond offensif, deux premiers points. Matteo Vergia pour le compteur 2-0 pour la chorale de Rouen. Pourquoi pas sur le tir à 3 points. Ça rentre pas pour Abrin. Et on relance du côté de la chorale. Oui, sur le backdoor. Tentative à 3 points qui rentre pour Gabriel Richard. 5-0 pour Rouen. Et on essaie d'accélérer du côté Fébri. Encore une tentative à 3 points, ça rentre toujours pas. Du côté de la CTC Sud. D'ailleurs, il y a un temps mort immédiat du coach. Il va certainement apporter des modifications. L'équipe n'est pas à droite, mais bon. On n'est qu'au tout début de ce premier quart-temps. On a à peine 1 minute 20 de jeu. Peut-être qu'il ne sent pas son équipe peut-être pris un peu par la pression. Ça peut arriver, c'est légitime. Il préfère tout de suite prendre les devants et ne pas attendre que l'écart se creuse. Des deux équipes, c'est de faire jouer tous les joueurs avant la première mi-temps. Tous les joueurs doivent rentrer sur le parquet. Vergia l'amène. Richard qui joue les fixations pour Vergia, qui provoque une faute sur son attaque. Panier refusé, à juste raison, la faute avait lieu avant le dernier dribble. Et c'est la première faute personnelle. Alors, ça défend bien de la côté de la CTC Sud. Vergia qui essaye, oula, avec un petit peu de chance. Deux points de plus pour Rouen, 7-0 pour Rouen. Il y a 6 minutes 10 dans le premier carton. Cabral Semedo. Non, c'est côté Uran là. Elle amène. Oui, bon offensif de Touré. Et qui d'ailleurs provoque la faute. Et c'est la première faute pour Bisset. Télescopage de l'opposé. Et Théo Deschlet qui a failli avoir le ballon avec le pied sur la ligne. C'est une touche. Voilà, c'était CTC Sud. Ouais, contact de fond de Fébri, bien joué. Et la CTC Sud qui ouvre son compteur. 7-2 pour Rouen. Et 5 minutes 40 dans le premier carton. Fébri. Alors on essaie de jouer sur l'axe central.
Un peu forcé, oui, ça joue. Ah non, pardon. Il y avait une touche. Février. Qui joue sur la vitesse et qui met deux points de plus encore. Il fait jouer sur ses qualités de vitesse. 7-4 pour Juan. Virgia. Richard. Joue le main à main avec Bisset. Ça vient bien en aide du côté de la CTC dès qu'il y a une fixation dans la raquette. Ah, il a failli s'en jouer, Vergia. Et jeu rapide pour la CTC Sud. Et une faute de Gabriel Richard. Théo Deschlette, pardon. Et qui va sortir, remplacé par Romain Pluvy. Oui, c'est déjà la deuxième faute de Gabriel. De Théo Deschelette. Pour cette raison que le coach doit de le sortir pour le préserver. Et sur la ligne des lancers francs, Suliam Cabral Semedo. Premier loupé. Et le second réussi. 7-5, la CTC Sud qui recolle le score petit à petit. Ils sont sur un 5-0. Une faute de Cabral Semedo. Faute de main. C'est sa première faute. Vergia. Pluvy. Oui, bonne technique, Romain Pluvy, dommage, pas payé à la fin. C'est pas mal aussi du côté de Février. Ressort, c'est de jouer intérieur, pourquoi pas. Dommage, c'était bien attaqué, le Zarbout. Romain Pluvy. Qui va fixer l'axe central, servir sur un tir à 3 points. Ça rentre pas pour Richard, c'est reparti pour du jeu rapide. C'était dur, il y avait un bon repli du côté de Rouen. Et deux autres changements pour la chorale de Rouen. La rentrée du numéro 13, Zakaria Merchigoui. Et la rentrée du numéro 6, Loris Sylvestre. Ouais, bien servi intérieur. Et Wissem Zarbout qui obtient une faute. C'est la première faute pour Zakaria Merchigoui qui vient de rentrer en jeu. Pour Wissem, ça va lui donner deux tentatives. Et pourquoi pas avec un 2 sur 2 d'égaliser avec le Rouen. Ouais, premier émi. Sur deux, mais il a le rebond offensif. On ressort sur Cabral Semedo. Ouais, qui joue bien, fixation l'axe central et qui va avoir le panier marqué plus la faute. Et donc voilà, c'était CTC Sud qui repasse devant, enfin qui passe devant pour la première fois du match. 8-7 pour la CTC Sud. Et changement. Sortie de Cyprien Bisset et l'entrée de Johan Lambert. A loupé son lancer. Rebond de Zakaria. Perd la balle. Et ça fait une touche ligne de fond pour CTC Sud qui avait très mal démarré par un 0-7 et qui maintenant en est à 8 points d'affilée. 8-7. Oh, joli contre de Bisset. Il faut faire attention. Il y a Mouvet Février qui prend le dessus systématiquement. Jeu rapide pour la chorale de Rouen. Et Yann Lambert qui fait la faute. Abraham Nagy qui fait la faute sur Zakaria Merchigoui.
et c'est sa première faute. Il reste 3 minutes 30 dans ce premier quart-temps. L'occasion pour Zakaria d'égaliser au moins. Ça sera au mieux une égalisation. Et c'est le cas. 8 partout à 3 minutes 30 de la fin du premier quart-temps. Abraham l'amène. Sakotéon. Nagy. Et Fébri qui provoque une faute. William Fébri qui fait un très bon début de match, qui pose beaucoup de problèmes dans les fixations. En plus de la taille, il y a la vitesse d'exécution qui gêne. Les changements côté corallien. La sortie de Cyprien Bisset et le retour de Johan Lambert. Premier lancer réussi pour William Fébri. Ça fait 9-8 pour la CTC Sud. Restera là pour l'instant. Pour bon, Merchegoui qui sert sur Pluvie. Pluvie, bien joué. Dommage, pas payé à la fin. On accélère. Avec Abrin qui met du rythme dans le jeu. Et c'est la deuxième faute pour Zakaria Merchigoui. C'était pas évident de défendre sur le meneur avec la différence de taille. Alija Abrin sur la ligne de lancer. Premier réussi. 18 pour la CTC Sud. Vergia. Chigui. Lambert. Pour Vergia. Petit tir extérieur à 0 degré. Corner. Et ça fait 10 partout. On met son équipe à égalité. Nagy. Ressort. Sur Fébri. Cotéon. Bienvenue en aide du côté corallien. C'est quasiment dans la prise à droite. Remise en jeu rapide. C'est du jeu rapide pour la chorale. Et c'est une faute au final de Fébri sur Merchegoui. Ah oui, notamment en jeu du 13, du 15, il n'y a pas l'obligation à ce que l'arbitre touche le ballon dans les remises en jeu en zone défensive. Ce qui permet d'avoir un rythme de jeu plus élevé et puis d'offrir des opportunités de jeu rapide. Premier lancé franc réussi. Cette fois-ci, c'est la chorale qui passe devant. 11 à 10. Il reste 2 minutes 26 avant la fin du premier quart-temps. Et 12-10 pour la chorale de Rouen. Changement de côté rouennais. L'entrée de Anton Dringuillet et la sortie de Loris Sylvestre. Défense tout terrain pour la chorale de Rouen. Fébri face à Vergia. Joli duel. C'est fait mal, Fébri. On reçu une béquille, j'ai l'impression. Dans le duel, ouais. Fair play les deux garçons, je pense que c'est une petite béquille au niveau de la cuisse. Entre temps, il y a eu une faute. Mise en beauté, premier lancé franc raté. Deuxième aussi. Rebond était pour Lambert. On tout de suite dans le jeu rapide. Et deux points pour Robin Pluvis sur le jeu rapide.
12-10 pour la chorale de Rouen à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Petit tir à l'extérieur de Nagy, ça ne rentre pas. Allez, Vergin qui accélère encore. Qui a joué sur Merchigoui. Dommage. Ouais, il a le rebond offensif, mais il y a du monde autour de lui. Et ça va finir par une faute. Alors, comme il était tourné l'arbitre, je n'ai pas pu voir le numéro. C'est le 10, il me semble. Et changement compté, CTC Sud. La sortie de Cabral Semedo. Et la rentrée de Karadzic. Matteo Vergia sur la ligne des lancers. Premier réussi. Et un petit retard scoring. Ils ont réactualisé le score. C'était pas 12-10, c'était 14-10. Ça me surprenait un peu, mais je faisais confiance au tableau d'affichage. Donc avec le lancer, on est à 15-10 pour Rouen. Et 16-10 maintenant pour Rouen. À 1 minute 39 de la fin du premier carton. Elijah Abrin. Loupé sur le petit tir. Allez, on va plus vite, qui est prise à deux. Sur la CTC, dommage. Que Zarbouti n'arrive pas à concrétiser. Ça défend dur côté CTC derrière. Ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts dans la transition défensive. La chorale de bien sortir la balle. Attention, shoot un peu long. Et derrière, Vergin qui fait la faute. Dommage. Faute un peu inutile, mais CTC Sud, ils ne sont pas réussis en phase offensive, mais ils ont le mérite de... d'être présent immédiatement en défense. Ce qui leur permet de grappiller quelques ballons, mais malheureusement pour eux, ils sont un peu en panne d'adresse, que ce soit proche du cercle ou dans les tirs à longue distance. Alors ça peut revenir à tout instant. Il ne faut pas s'affoler. Rester concentré. Et sur la ligne de lancer franc, c'est Vasily Karadzic. L'occasion de réduire un peu l'écart avec Rouen. Dommage, 0 sur 2, dommage. Par contre, balle gagnée. Une touche, ligne de fond. Et changement côté Rouen. Sortie de Anton Drinkbillet. Et la rentrée de Johan Lambert. Pardon, Mathéo Chartier. Un tir loupé pour la CTC Sud, Vergia. Oui, qui s'est allé tout seul, Chartier. Là, après, c'est Robin Puvis à 3 points, ça rentre pas. Rebond de Février. Février, il a vraiment mal. Il grimace, mais il s'est pas remis du coup sur la cuisse. On sent que il a encore des douleurs. Oui, pourquoi pas, dommage. Pas rentré le tir de Najim. Vergia pour le jeu rapide. Ça court bien du côté de Rouen. Et 2 points pour Yann Lambert. Faire attention sur le jeu rapide de Rouen parce que ça va très vite. Ça court vite à l'opposé du ballon. Il faut que la CTC Sud soit vigilant sur le repli défensif. Bien attaqué sur le poste bas. Belle attaque de Vasily Karadzic. 18-12. Il reste 14 secondes dans cette fin de quart-temps. Premier quart-temps. Et l'avantage, c'est pour la chorale de Rouen. Voyons, tir du prise à deux. 5 secondes pour Robin Pluvis qui titre avec step back, un petit tir à 3 points, dommage, mais il y a le rebond off. Le rebond offensif sur le buzzer pour Mathéo Vergin qui met les 2 points de plus et qui creuse l'écart, 20-12. Depuis le début. Et le coach de CTC Sud qui n'est pas content parce que ça fait plusieurs fois dès le début du match qu'il demande à ses joueurs de faire des écrans de retard et une fois de plus, il y a une absence en écran de retard et ils ont été sanctionnés. En 20-12, fin de premier quart-temps, rien n'est fait. Il faut que la CTC Sud arrive à retrouver d'adresse. Ça, c'est important déjà dans leur zone offensive. On ne va pas trop donner de balle encore à Lorraine parce qu'ils sont très bons dans tout ce qui est jeu rapide. Ça repart très vite, ça relance vite, ça court à l'opposé très vite. Il faut être vigilant sur le repli. Et côté rouennais, on peut dire qu'ils ont fait un bon premier quart-temps. Surtout point de vue offensif.
de mouvement, de la patience dans les attaques. Peut-être un peu plus de collectif côté Rouen pour l'instant que côté CTC Sud. Des Coralliens pour le début du deuxième quart-temps, ainsi que de la CTC Sud. Ah, faute immédiate de Gabriel Richard. Alors, c'est une faute personnelle, alors que le compteur n'avait pas tourné. Elijah Abrin, qui s'en agit, qui ressort sur côté Yon. Tardy, qui redonne sur Abrin. Ouais, qui se joue de son défenseur. Ça ne réussit pas. Robin Pluvy à la mettre cette fois-ci. Et Lambert qui provoque une faute sur une fixation encore. Lambert, Pluvy. Non, Richard qui fixe, qui cherche, mais une belle défensive côté CTC Sud, ça défend bien, un ballon gagné. Bonne défense des Parisiens. Allez, interception de Romain Pluvy. C'est du jeu rapide. Et le repli est présent. Allez, il y va quand même. Il y va quand même. Il a failli avoir le panier, mais il a la faute. Bien vu. Il a vu l'ouverture qui s'était présentée. Il a su fixer son défenseur sur un petit moment de ralentissement avant de réaccélérer. Changement de Rouen. Et l'entrée de Théo Deschelette à la place de Mathéo Chartier. 20-12, il reste 7 minutes 7 dans le deuxième carton. Et Romain Pluvy au lancer. Premier loupé. Deuxième loupé aussi, 0 sur 2. On essaie de trouver des solutions. Côté de la CTC Sud. Et c'est bien, il a au moins le mérite de trouver une faute. Wissem Sarbout. Ils ont essayé de développer un jeu collectif qui n'était pas évident pour trouver des passes vers le cercle. Il a eu le mérite de pouvoir provoquer une faute par son attaque du cercle et se retrouver sur la ligne des lancers francs. C'est un peu le souci des CTC Sud, on voit, il y avait des discussions, le coach aussi,
pour développer le jeu posé. C'est un peu plus compliqué. Ils ont du mal à se trouver correctement. Et le premier lancer franc pendant ce temps a été inscrit par Ruiz. Par Théo Cotéon et 2 sur 2. Ça permet de réduire l'écart. 20-13 pour Juan. 20-14 pour Juan. Et changement. Déjà Abrin qui est sorti. Touré qui fait son entrée. Richard qui fait l'axe central encore et qui prend le dessus, qui gagne son duel. 2 points de plus, 22-14 pour la chorale de Rouen. Et Lambert qui va gagner un ballon. Plus vieux à la main. Attention, il se fait à son tour piquer la balle par Salah Touré. Et qui concrétise sa bonne défense. 2 points de plus pour CTC Sud. 22-16 pour Rouen. Ça défend plus dur côté CTC Sud sur défense tout terrain. Ouais, ça défend bien, ça met en difficulté les joueurs rouennais. Ouais, la fin du main à main, il provoque la faute Romain Pluvy. Et le défenseur a un peu anticipé le main à main, il ne l'a pas joué. Romain Pluvy a un jeu avec beaucoup de liés des petites accélérations, des pauses, des jeux de feintes. Pour l'avoir vu pendant le tournoi, c'est un adepte aussi des passes aveugles. Il est beaucoup oscillé sur le changement de rythme avec une bonne technique et un jeu de feinte aussi. Premier lancer franc réussi. 23-16. Changement, Romain Pluvy qui sort à la place de Matteo Vergia. Défense tout terrain pour Coral de Rouen. CTC Sud ne pas se laisser distancer, de réagir en attaque. C'est tout ça le problème pour l'instant. Côté donné du jeu rapide. Ah dommage, pied sur la ligne de Zerbout, dommage. Donne beaucoup de ballons l'équipe à leur adversaire. Vergia qui met du rythme tout de suite pour un tir extérieur. Et ça rentre, ce sera 2 points. Pied sur la ligne pour Loris Sylvestre. Mais c'est 2 points, 26-16. 10 points d'écart pour la chorale de Rouen dans ce deuxième carton. Il reste 5 minutes 25. Ouais, bonne fixation, un peu dur le tir. Sur une bonne aide défensive du côté Rouen. Vergia, Lambert. Il n'est pas attaqué, il va prendre le tir. Et il est à 3 points, il est rentré. Et temps mort du coach de la CTC Sud. On va essayer d'arrêter ce moment d'euphorie de Rouen. Il voit que ses joueurs ont tendance à baisser au niveau défensif. On défend un peu plus loin. Alors les aides défensives dans les attaques sont présentes du côté de la CTC Sud. Ce qui manque un peu, c'est les rotations derrière et ça donne des joueurs de libre du côté de Rouen qui ont la possibilité d'avoir des tirs ouverts, d'attaquer le cercle.
tour en jeu des 10 acteurs. 29-16 pour la chorale de Rouen. Il reste 5 minutes 10 dans ce deuxième carton. Et balle gagnée par la chorale. Et changement de côté, c'était sud. C'est Février qui va revenir. Espérons que ça va mieux au niveau des cuisses. Suite à la béquille, on l'a vu grimacer, avoir du mal à accélérer. Quand on sait les problèmes qu'il posait à Rouen dès le début du match. Espérons pour lui que ça aille beaucoup mieux. Et pour son équipe aussi. Vergia. Il fixe. Et le petit tir dans la raquette. 31-16 pour Rouen. Qui creuse l'écart. Plus 15. Février. Ouais, bien joué Zarbout. Dommage qu'il soit pas, mais il a au moins la faute. Il n'ait pas pu marquer le panier. Et c'est pas la première fois où il a un beau jeu de haut cercle. Ensuite s'ouvrir pour se mettre ensuite face au cercle. On prend le dessus sur le jeu posté. Et changement côté Rouen. Sortie de Cyprien Bisset. Et retour de Zakaria Merchigoui. C'est réussi, ça va faire du bien pour lui, pour l'équipe de scorer un petit peu sur ses lancers, faire tourner le compteur. Et 2 sur 2, voilà, bonne chose. 31-18 pour Rouen. Vergia qui prend la vitesse, hein, la plupart des défenseurs, ça donne des possibilités derrière. Et 3 points de plus pour Lambert, 2 sur 2 à 3 points pour Johan Lambert. 34-18 pour Rouen et il enchaîne par une petite faute sur un retard défensif. Et c'est sa deuxième faute, Johan Lambert. En mise en jeu de Salatouré. Théo Cotéon. Il cherche à jouer avec Février, il va lui demander de chasser, peut-être jouer poste bas. Non, il va renverser. Wissem Zarbout qui va rattaquer, on sait qu'il a un bon jeu, oui, bien joué, dommage décidément. Il n'arrive pas à se récompenser, à chaque fois il y a des bonnes idées dans son mouvement. C'est la finition qui pêche pour lui malheureusement pour l'instant. Et derrière on enchaîne par Gabriel Richard qui ressort sur Matteo Vergia, on ressort sur Lambert, est-ce qu'il va nous faire un 3 sur 3 ? Non. Et rebond offensif pour Rouen. Ah, ça va mettre en colère le coach qui demande des écrans de retard, ils ne sont toujours pas dans son équipe. Ça joue vite du côté des chorales, hein. Ça distribue vite. On voit que collectivement ça va un peu plus vite, c'était CTC Sud, c'est la différence qu'on voit de ce début de match. Et ça provoque des fautes. Et cette fois-ci c'est Théo Cotéon qui fait une faute sur Gabriel Richard. Je pense que c'est la différence majeure entre les deux équipes, c'est côté corallien, il y a un jeu collectif plus fluide, plus vite dans la vitesse d'exécution. Et ça fait des différences au bout d'un moment donné, ça crée des décalages. Et donc la sortie de Laurie Sylvestre et le retour en jeu de Cyprien Bisset. Tandis que Anton Tanguillet, je pense qu'il va attendre que son coéquipier ait mis ses lancers francs pour rentrer en jeu ou un prochain arrêt de jeu. En tout cas, le premier réussi pour Gabriel Richard. 35-18 pour Rouen à 3 minutes 40 de la mi-temps. Et ça fait 2 sur 2. Donc il va pouvoir laisser son coéquipier prendre sa place. Retour d'Anton Tringuillet. 36-18 pour Rouen à 3 minutes 40 de la mi-temps. Changement côté de la CTC Sud. Sortie de Salatouré. Et entrée en jeu. Edija Abrin. On a une différence de taille entre Merchigoui qui défend sur Abrin. Et il perd la balle. Oula, tire tout de suite Merchigoui, pourquoi pas. Et ça rentre. Et ça rentre. Ah, ça fait mal, dommage. Dommage pour CTC Sud. 39-18 pour Rouen, qui passe à l'écart au-dessus de 20 points. Ou anti-sportive, sifflé par l'arbitre sur Vergia. Bon. Il a pris le dessus. C'est pas forcément le dernier défenseur, mais... pas forcément dans du jeu rapide non plus.
Mais bon, ça donne une occasion, en tout cas pour la CTC Sud et pour Liam Fevry de marquer deux lancers et d'avoir la possession derrière. Ça peut faire du bien au moral. Pourquoi pas redescendre en dessous des 20 points, dommage. Dommage pour Eliam. Allez, peut-être le deuxième. Oui. Changement côté Montbrisonnais. Vergia qui sort, remplacé par Pluvy. Pardon. Un vieux réflexe. Et temps mort, Chorale de Rouen. 39 à 19 pour la Chorale. Il reste 3 minutes 25 dans ce deuxième quart-temps. Alors Robin Pluvy qui n'est autre que le fils de Laurent Pluvy, le coach de la Chorale de Rouen, qui ont gagné contre Évreux vendredi soir avec un bon début de match qui leur permet de creuser l'écart et d'avoir une partie plutôt aisée, faire tourner le banc et puis continuer à être premier en espérant que de revoir la Chorale de Rouen en Pro A. Ils sont premiers tout seuls mais ils sont encore sous la menace de mémoire de Vichy Clermont et puis d'Orléans je crois. Une semaine à deux déplacements qui arrive. Rouen qui traîne pour revenir sur le terrain et le coach adverse qui leur réclame aux arbitres de leur compter un temps mort. Et le coach de Rouen qui s'excuse, il n'a pas du tout entendu. William Février sur la ligne de lancer franc. Dommage. Premier loupé. Et le deuxième qui est réussi. 39 à 20 pour Rouen. À 3 minutes 24 de la mi-temps. Romain Pluvy. Attention, il y a des trappes qui se mettent en place du côté de la CTC Sud. Ouais, ça joue, ça renverse bien. Et deux points de plus pour Rouen. Cyprien Bisset. Elijah Abrin. Côté Yon, bien joué, dommage. Et balle pour Rouen. Défense tout terrain de la CTC Sud. Puis elle amène. Ouais, qui prend le dessus, qui va jusqu'au bout, il n'y a pas d'aide. Attention, il a failli perdre la balle. Richard qui fixe, qui redonne. À Lambert, qui refixe pour ressortir à Pluvy. Qui prend le dessus par une petite feinte et deux points de plus pour la Chorale. 43-20. À 2 minutes 30 de la mi-temps pour Rouen. Abrin qui cherche une solution. Fevry. Ah, le dribble dans le dos qui passe pas. C'est la balle pour lui encore. Il y a un pied de Gabriel Richard. Cabral Semedo.
à la touche. Ah, ça coupe bien les lignes de passe, ça défend dur. Abrin. Fébri. Théon. Larbout. Abrin, pourquoi pas. Il ressort. Cabral Semedo, oui, c'est bien joué ça. Dommage, il y avait les 24 secondes. Dommage pour la CTC Sud. Mais on voit qu'il y a des difficultés à trouver des joueurs démarqués, à aller vers le cercle. Compliqué de poser leur jeu pour l'instant pour la CTC Sud. Et Robin Pluby qui prend le dessus sur son adversaire. Obtient une touche, ligne de fond. Richard. Lambert. À 3 points, un peu à gauche, Herbol, et c'est une touche par CTC Sud qui va jouer rapidement. Fébri essaie de prendre l'accélération avec son dribble en dos qu'il a l'habitude de faire. Et tiens, la faute et le panier. Fait du bien, 43-22, une possibilité de revenir à moins 20 pour la CTC Sud. Ah, dommage, un peu court. Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. 43-22 pour Juan. Lambert. Pluvy. Ringbier. Non, Pluvy, pardon. Qui refixe et qui ressort pour Lambert. Et... oui, marché. Exact. Marché sur le départ en dribble. Ça rejoue tout de suite pour CTC Sud. Abrin. Théo, marché aussi à son tour. Alors, différents postes où il y a des différences de taille à l'avantage de Rouen, on voit sur les postes extérieurs. Romain qui fixe son défenseur, qui ça passe pas. Cet essai qui va peut-être avoir le rebond. Ah non, dommage, dommage, dommage. Oui, on voit un déficit de taille sur les postes extérieurs, hormis le poste de meneur, mais extérieur et intérieur. Pour la CTC qui rend un peu quelques centimètres au Rouennais. Pluby qui va essayer de jouer sur le jeu posté. Sur Bisset qui renverse sur Richard qui flotteur. Et 2 points de plus à 39 secondes de la mi-temps. 45 à 22 pour Rouen. Et touche pour la CTC. Pourquoi pas Théon. Ouais, petite faute de main de Ringbier, exact. Comme les deux équipes sont dans la pénalité, il y aura 2 lancers francs pour la CTC Sud. Et c'est Théo, le Théon, qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Dommage, toujours pas de réussite pour la CTC Sud. Hein, le pourcentage au lancer franc, malheureusement pour eux, est faible pour le moment. Bien, deuxième qui est marqué. 45-23, 20 secondes de la mi-temps. Pluvy. Et faute de Cabral Semedo qui va donner 2 lancers francs à Romain Pluvy à 10 secondes de la mi-temps. ...45-23 pour Juan. Et c'est la deuxième faute pour Cabral Semedo. Premier lancer franc réussi. Sur deux.
47-23 pour Rouen. Il reste 10 secondes dans ce deuxième carton. Février. Cherche, pourquoi pas, un petit tir à l'extérieur, ça ne passe pas. Et voilà la mi-temps dans cette 49e édition du tournoi international de Pâques. Où c'est Rouen qui a l'avantage, hein. 47-23. Une petite pause à la mi-temps, 5 minutes de pause, pas plus. Donc pour nous, on se retrouvera à peu près dans 4 minutes pour assister et vivre cette deuxième mi-temps de ce tournoi. À tout à l'heure. Et ça commence directement par une faute sur Lambert, sur la première fixation de cette deuxième mi-temps. Et Yann Lambert qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. En côté corallien pour démarrer ce troisième carton. En numéro 7, Matteo Vergia. En numéro 10, Johan Lambert. En numéro 13, Zakaria Merchigui. En numéro 8, Gabriel Richard. Et en numéro 11, Matteo Chartier. Et côté CTC Sud. En numéro, alors on voit moins les numéros, le bleu sur le gris c'est pas le meilleur. Vasily Karadzic. En numéro 9, Wissem Zarbout en numéro 14. Ilian Février en numéro 11. Abraham Nagy en numéro 10. Et Théo Cotéon en numéro 12. Et 48-23 pour Rouen en ce début de troisième carton. Jeu rapide. Ah, bien défendu de Zarbout, bien défendu, et faute derrière de Gabriel Richard. Et c'est la troisième faute pour Gabriel Richard. Nagy. Qui fixe, qui redonne au côté on. Ah, dommage, mauvaise passe sur leur sortie. C'est du jeu rapide encore pour Rouen. Bien défendu, très bon retour de Abraham Nagy. Et derrière, marché, et eh oui, ah non, reprise de dribble. Eh oui. Attention, c'est essayer de bien être présent en défense. Ça repart tout de suite pour Rouen. Richard, ouais, bonne défense de Février en aide défensive. Oh, on a pu avoir une petite faute pour lui, mais il a les deux points. 48-25 pour Rouen à 6 minutes 50. Ah, ça va vite ce début de troisième carton, c'est très plaisant. Et ça rentre pas pour Richard à 3 points. Zarbout. Février. Ah, dommage, dommage, c'est mauvaise passe, c'est autant de ballons donnés à Rouen. C'est du gâchis. Lambert. Qui tire à 3 points, ça rentre pas. Zarbout. Cotéon qui sert pour Nagy, ça rentre pas. Et on repart de l'autre côté. Vergio, petit reverse, pourquoi pas. Richard. Voilà aussi, les arbitres pour l'instant laissent jouer des deux côtés. Vergio qui fixe un peu sur l'axe central et comme tout à l'heure, il a s'arrêté pour faire un petit tir. Et ça fait 2 points de plus pour les Coralliens. 50-25. Zarbout, attention, des prises quasiment à 5. Et encore du jeu rapide pour Rouen. Ça rentre pas pour au Chartier, on ressort. Richard, Vergia, Chartier, il n'est pas attaqué, il prend le tir, il a raison, et ça rentre pas, rebond pour Février, qui accélère à son tour, sur Vergia, qui prend le dessus, oula, bon, on n'a pas vu le marché, même le coach de CTC Sud en a souri, mais c'est 2 points de plus pour son équipe, et tant mieux pour eux. Vergia qui ressort sur Richard. Ouais, c'est bien joué. Dommage, dommage. C'est de court à la fin, en bout de course. Il a manqué un peu de force. Le coach est en colère, il a raison. Les joueurs ne sont pas présents sur les aides. Changement côté Rouen.
Sortie de Mathéo Chartier, rentrée de Cyprien Bisset. 50 à 27 pour Rouen. Et faute de Wissem Zarbout. Et c'est la troisième faute pour Wissem. Pendant ce temps, c'était au côté Young qui sort et qui est remplacé par Salah Touré en numéro 4. Petite discussion à la table de marque. Apparemment, sur le tableau d'affichage, il y aurait une correction. Oui, c'est uniquement sur... sur le chronomètre, ils ont rajouté 5 secondes. Donc, il reste 4 minutes 36 dans ce troisième carton. 50 à 27 pour Rouen. Vergia sur Fevry, un beau duel. Merchigui sur le backdoor. Ah oui, ils ont le jeu du backdoor, on l'a un peu oublié. Il me semble que c'est Abraham Nagy qui fait la faute. Et premier lancé franc réussi pour Zaccaria. Un sur deux pour Zaccaria. Oui, c'est Zarbout à la main. Qui ressort sur Salah Touré. Ah, il se fait prendre le ballon, non hein. Et c'est balle pour Rouen. En possession. Et pour Rouen. Et Chergui qui attaque, ça rentre pas. Un rebond de plus pour Zarbout. Qui est important dans son équipe, dans le jeu intérieur. Hein. Aussi bien défensivement, il est présent au rebond. Quand ils ont su le servir dans le poste bas, il a posé des problèmes par son jeu dos cercle ou face au cercle. Et remise en jeu pour la CTC Sud. Fevry. Enfin, le démarquage sur du passe-va. On va renverser le jeu. Oui, encore du passe-va. C'est construit, c'est bien construit côté CTC Sud pour l'instant. Et Fevry qui prend le dessus, deux points, bien joué. Voilà une belle attaque de leur part. On l'a pas souvent vu, mais là c'était avec la réussite. C'était bien joué du côté CTC Sud. 51-29 à 3 minutes 44 de la fin de ce troisième carton. Pluvy qui a fait son entrée en jeu. Prend le dessus sur Touré, qui sert derrière Bisset, pardon, et c'est deux points de plus. Fevry. Ah, deux dribbles dans le dos. La spéciale, on ressort après l'aide défensive, dommage, ça rentre pas. Pour Wissem Zarbout, Pluvy. Tout de suite, Merchigui. Un peu tard la passe, un peu tard, dommage. Et il fallait faire un petit peu avant, c'était bon. Mais il y a eu un bon repli défensif de Fevry. Qui a coupé une passe. Sinon c'était deux points de plus, certainement. Attention sur le backdoor. Heureusement, Pluvy fait le marché, mais Salah Touré l'avait un peu oublié. On va Pluvy. Et ça joue vite. Côté CT Sud, il faut poser des problèmes à Rouen. Ça passe par là. Bien joué Zarbout qui provoque une faute encore. Et c'est Cyprien Bisset qui fait la faute. Et c'est sa troisième faute. Et Wissem Zarbout qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Premier réussi, 53-30 pour Rouen. Il reste 3 minutes 3 avant le quatrième carton. Et 2 sur 2 pour Wissem. Changement côté CTC Sud. Sylvia Cabral-Semedo qui va rentrer
à la place de Vasily Karadzic. Bergia. Ouais, il profite de l'avantage de taille pour essayer de jouer proche du cercle. Ça passe pas parce que c'était bien défendu par Zarbout. Pluvi qui fixe, attention, le backdoor a failli passer encore une fois. Il faut vraiment que les défenseurs de la CTC Sud soient très vigilants sur les non-porteurs. Parce qu'il y a beaucoup de backdoor à jouer. Zarbout qui fait sa place dessous. Qui ressort, Février à 3 points. Pourquoi pas, ça rentre pas. Merci Guy Robon. Ça repart, Vergia. Accélère, deux défenseurs. Il ressort, pas un joueur de libre. On redonne au meneur. Il fixe, il dribble. Il tient en suspension, ça passe pas. Lambert, oui, Marchegui. Bien joué. Deux points de plus pour Juan, 55-31. Février. Touré. Agit. Oh, il tire de loin. Ah, mais il est bon, il est rentré. Bravo. Bravo à Abraham Nagy. 3 points de plus, ça permet d'être à moins 21. Toujours ça de revenu. On balle gagnée pour Nagy. On repart du jeu rapide. Et la faute derrière. Faute de Johan Lambert. Troisième faute d'équipe pour chaque équipe. Et c'est la troisième faute pour Johan Lambert qui va sortir. Il va être remplacé par Théo Deschelette. Voilà, dommage, dommage, encore une balle perdue. 2 contre 2. Lui qui fixe Touré. Ça passe pas. Février, voilà, du jeu rapide pour Nagy. Et faute derrière de Vergia. Antisportive. Oh, il l'a pas fait exprès. Hein. C'est sûr que la faute, elle y est. Après, elle n'est pas volontaire dans l'accrochage de pied. Faut pas que. Voilà. Vergia, faut pas qu'il s'énerve. Matteo, il sort sur les pleurs. Il a fait un bon match. Et bon, c'est toujours cruel de sortir sur ça. Il faut comprendre sa déception. Et Nagy, qui met son premier lancé. Abraham Nagy qui est dans une bonne période là. Il a mis des points tout à l'heure et il a récupéré des ballons. Il est dans un temps fort. Et 2 sur 2. Donc c'était CTC Sud qui passe sous la barre des 20 points d'écart. 55-36. Ballon pour eux. Ouais, bien joué, dommage, bien défendu de Romain Pluvi à l'opposé. Bien lu. Et faute de Nagy sur Pluvi. C'est la quatrième faute de Nagy. D'ailleurs, il y a un changement immédiat pour qu'il sorte. Le coach aura besoin de lui dans le quatrième carton. Il va être remplacé par Elijah Abrin. Les deux équipes sont dans la pénalité, mais dans chaque faute va donner des lancers francs. Deschelette. Richard. Deschelette. Ah, il renverse pour Lambert. Merchigui, c'est bien joué. Fixe, bien joué. On joue son joueur qui est disponible. Ça rentre pas pour Richard. Février. Ouais, Zarbout qui défie Lambert. Il y a des aides, ça ressort très bien pour Touré. Bon tir à 3 points, il rentre. Bien joué. 50 secondes avant la fin du troisième quart-temps. 55-39. Richard à 3 points, c'est rapide, mais il y a le rebond offensif. Deuxième tentative, cette fois-ci pour Lambert. Ça rentre pas. Ah non, encore un rebond offensif pour Juan. Oula, il fait perdre la balle. Deschelette qui regarde, oui, qui va jouer son défenseur, cherche les aides pour ressortir. C'est le jeu de Juan.
Ah, en bout de course, c'est difficile en bout de course pour Richard. Ça donne un ballon de plus pour la CTC. 19 secondes à la fin du troisième carton. Fébri qui appelle. Voilà, sur le démarqueur à 45 degrés, du jeu de passe et voir. On vient de l'opposer avec un écran non porteur. Voilà, tout à l'heure ça avait réussi le jeu qu'ils avaient proposé. Ça s'était terminé de la même manière. Et ça termine encore une deuxième fois de la même manière. Et ça fait 2 points de plus, moins 14 pour la CTC, mine de rien. Tout le mérite pour la CTC Sud, hein. Ils n'en étaient pas loin, ils étaient à moins 20, moins 23. Ils ont eu le mérite de revenir petit à petit dans la partie. Ils ont fait 2-3 stops en défense. Ils ont ce système à P5 qui fonctionne. Il ne fonctionnait pas en première mi-temps et ils enchaînent des paniers derrière sur le 1 contre 1 de février, ça se termine et sur les 2 points. Côté droit, il y a des tirs rapides qui ont joué. Ce n'était pas le jeu forcément en fin de carton de prendre des tirs rapides. Et ils n'ont pas été récompensés, ça a donné des ballons à la CTC Sud qui ont su en profiter. Maintenant, est-ce que les Parisiens auront encore le physique? Est-ce qu'ils sont moins nombreux? Ils tournent à 8 pour revenir. Pour des Mardois, on sait que c'est souvent les derniers points qui sont les plus difficiles. On laisse de la gomme. Et en tout cas, le match est très plaisant et très intéressant. Il y a beaucoup de rythme au niveau des deux équipes. C'est une belle finale. Sur le parquet des Coralliens en numéro 4 Robin Pluvy, en numéro 7 6 Laurie Sylvestre, en numéro 10 Johan Lambert, en numéro 12 Cyprien Bisset, en numéro 13 Zakaria Merchigui. Du côté de la CTC Sud, en numéro 4 Salah Touré, en numéro 7 Julian Cabral-Simedo, en numéro 11 Ilian Février, en numéro 14 Wissem Zarbout. Et le dernier numéro, je vais bientôt le voir, c'est le numéro 6, Elijah Abrin. Merchigui. L'avantage de taille, ça rentre pas. Et rebond encore une fois, CTC qui verrouille bien les rebonds maintenant. Ça donne autant d'occasions, Fébri qui prend le dessus. À court à la fin sur le dernier tir, dommage, court. Un peu trop gourmand. Et un coéquipier qui était libre, attention Bluy. Bien défendu, Touré, il a failli avoir la balle. Ça défend mieux du côté d'ACTC. Ouais, c'est bien défendu. Dommage, pas payé. Ouais, bonne attaque. Et Merchigui qui est présent au rebond. Et bonne attaque de Lambert sur l'axe central. 57-41 pour Rouen. Pour ce début du quatrième carton. Abrin. Et balle gagnée par Pluvy. Oui, il y a des joueurs de libre. Il y a eu des prises à deux. Ah, faut pas, voilà, faut pas hésiter. C'est Bisset, il y a Cyprien. On est proche du cercle, on a un avantage de taille, il faut y aller. Fébri qui annonce un système. Cabral Semedo qui ressort. Pour Abrin qui ressort pour Zarbout. Cherche, voilà, une fixation et faute, oui, faute de Mra. Ça pousse un peu du côté de Sylvestre. Qui ont participé aux deux tournois de rejoindre l'équipe pour le jeu. Ça sera la première faute collective pour Juan dans ce début de quatrième carton. Et ça sera la troisième faute de Laurie Sylvestre.
Pendant ce temps, les autres équipes du tournoi vont se préparer. Il y aura une présentation donc, des équipes après la finale et la remise du trophée, notamment du challenge du Bruck, fondateur du tournoi de Pâques pour les jeunes, il y a 49 ans. Il y a eu un tournoi de Pâques pour les seniors pendant de nombreuses années. Cabral Semedo. Oui, qui est prêt à prendre le dessus. Oula, il y a faute, oui. Allez, t'es gourmand, dommage. Ah oui, Johan Lambert, un peu trop gourmand, il baisse le bras. Mais c'était une belle attaque. Il a eu raison, Suliam. Des fois, d'être plus petit, d'attaquer loin du cercle face à un grand, ça, c'est un avantage aussi. Dommage. Premier qui est raté. Et le deuxième réussi. 59-42 pour Rouen, changement côté. Pour Rouen le score et changement côté rouennais. Johan Lambert qui sort. Et c'est Gabriel Richard qui fait son entrée. Prise à deux sur Pluvis sur la remise en jeu. Pluvis. Beau duel face à Touré. Il prend un peu le dessus, ça rentre pas. Voilà, rebond pour Juan, ça ressort sur Pluvis. Voilà, qui va essayer de. Voilà, fait jouer sur du main à main pour démarrer. Richard prend sur le reverse, balle gagnée, non ? Eh, ça va être une balle gagnée pour la CTC. Bonne défense, remise en jeu rapide. Voilà, ils ne sont pas en place, Juan, il faut en profiter. Ah, c'est dur, Février. C'est dur, dommage. Dommage qu'il ne la fasse pas avant, ça passe. Et Luc Serral qui accélère à son côté. Ouais, et ça passe cette fois-ci par contre. Et c'est 2 points de plus pour Cyprien Bisset. 59-42. Et c'est temps mort. Temps mort de la CTC Sud. 61-42. Juan qui reprend pas loin de 20 points d'écart. CTC qui était revenu à moins 14 à la fin du troisième quart-temps. Et 2-3 pertes de balles qu'ils ont payé cash. Il reste 5 minutes 24 dans ce quatrième carton. 61-42 pour Rouen. Sur le parquet. Les 5 minutes 24 restantes dans cette fin de match. Et c'est Vasile Cartier qui va s'occuper de la remise en jeu. Voilà, CTC Sud. Février. Ça rentre pas, dommage pour Nagy, mais il y a le rebond offensif derrière, joli tir. Cabral Semedo. 61-44. Richard. Bisset qui ressort pour Sylvestre. Balle perdue, du jeu rapide pour cet essai. Et il obtient la faute. Bisset. C'était au côté Young qui obtient la faute, qui va se retrouver sur les lancers.
lancé est réussi. 61-45. Et 2 sur 2, 61-46. Changement côté Rouen. Sortie de Loris Sylvestre, remplacé par Anton Trinquebillet. Puis. Ah, il faut y perdre la balle face à Naja. Bonne défense, bonne défense. Et l'entre-deux, c'est la possession pour Rouen. Alors, il y a deux cas, soit vous cherchez à avoir la balle dans ces cas-là, soit vous ne cherchez pas à avoir la balle. Et vous avez les 8 secondes, les balles pour vous. Mais là, c'est beaucoup demandé. C'est à ce niveau-là, en U13, déjà en senior, on n'a pas forcément le réflexe de voir à qui est la possession. Mais dans des cas comme ça, si on sait qu'on n'a pas la possession, il ne vaut pas jouer l'entre-deux. Il vaut mieux le laisser par terre, le gêner dans les passes. Et d'attendre que l'arbitre siffle les 8 secondes. En tout cas, c'est une bonne défense de la CTC Sud. Et c'est un temps mort. Temps mort de Rouennais. CTC qui a réduit un peu l'écart, comme tout à l'heure. Ils reviennent à moins 15. Alors, il reste 4 minutes 44 dans ce quatrième quart-temps. Mais ils peuvent revenir à moins 10. Il y a déjà 3 fautes d'équipe pour Rouen. Ils peuvent vite rentrer encore une faute. Et c'est Rouen qui se retourne dans la pénalité et qui va offrir des lancers francs pour la CTC Sud. Je pense que pour cette raison aussi, sur le début de quatrième quart-temps, qui n'est pas en faveur de Rouen, que le coach a pris temps mort. Le match il n'est pas terminé, il ne faut pas se faire peur. Ils ont dominé tout le match. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas avoir la peur de gagner, d'avoir un peu trop de pression. Au côté CTC Sud, il faut continuer à avancer, à réduire l'écart, voir ce qui se passe. Beaucoup mieux depuis le début de la deuxième mi-temps, milieu de troisième quart-temps, niveau de la CTC, il faut continuer dans ce sens-là. Richard, plus vite. Richard, plus vite. Chigui, et qui va obtenir une faute. C'est Liam Fevry qui prend la faute. C'est sa deuxième. Zakaria, Michagui sur la ligne de lancer franc. Après le premier est réussi, 62-46. Sur 2, 63-46. Pression défensive pour Rouen. On met un peu de pression pour mettre en difficulté les adversaires qui ont été en réussite pour l'instant en attaque. Pour trouver de la réussite, Théo Cotéon, Cabral Semedo qui renverse. Cotéon bien attaqué. Eh oui, 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 il y a un petit saut, il y a marché, oui, exact. Si. Zaka, Merchagui. Qui ressort, Trinquebillet, Puvi. Richard. Ça défend bien, on a du mal à trouver des solutions. Dommage, on a une faute. Rouen avait du mal à développer le jeu. D'ailleurs, le coach de la chorale de Rouen donne quelques consignes car c'est un peu plus statique côté rouennais dans le jeu offensif. On se cache un peu. Et double changement côté CTC Sud. C'est la sortie de Karadjic. Et la sortie de Cotéon à la place de Zarbout et de Abrin. De Naja sur Pluvi.
Et c'est la cinquième faute pour Abraham Nagy. Non, pas Nagy, excusez-moi. Abraham Nagy, ouais, frustré de cette dernière faute. Qui malheureusement, c'était sa cinquième. Pluie. Oui, bien joué, dommage. Mais il est présent derrière Bisset. Ça rentre pas et on a encore le rebond. Du côté rouennais. Trinquebier, ça ressort sur Richard. Pluie. Attention, on est dans les dernières secondes de possession. Allez, encore 24 secondes avec le tir au panier. Richard, du main à main, on recommence. Ça change, Pluie toujours. Essaye de fixer son défenseur. Petite feinte comme il les aime et ressort pour un tir extérieur de Trinquebier. Deux points de plus. Danton, 65-46. Wissem Zarbout. Attention Z, oui, c'est bien ressorti. Pour Elijah Abrin, un petit tir, dommage. Et Février qui prend le rebond, qui rattaque et qui provoque la faute. Et je pense que c'est Zakaria. Voilà, Zakaria Michergui qui fait la faute. Double changement côté rouennais. Avec Deschelette qui fait son entrée en jeu, ainsi que Johan Lambert. Et c'est la quatrième faute pour Zakaria. C'est Robin Pluvis qui fait sa sortie avec Zakaria Michergui. Et donc la rentrée de Johan Lambert. Et la rentrée de Théo Deschelette. Ilian Février. Au lancer. Première réussie. 65-47 pour la chorale de Rouen. Il reste 2 minutes 51 avant la fin de cette finale. Les autres équipes se préparent à côté du terrain pour la présentation des équipes. La remise des récompenses. Et 2 sur 2 pour Ilian Février. Et temps mort. Nouveau temps mort là, c'était Cessud. Il a raison le coach, même si l'écart il est important par rapport au temps de jeu restant, de continuer à mobiliser son équipe, de tenter des choses, de réduire ne serait-ce que l'écart. Ne pas laisser filer malgré l'écart négatif. Il a pris ses deux temps morts, il en restera un pour la chorale de Rouen au cas où. On peut dire que la différence, elle s'est faite sur la qualité de l'effectif qui est un peu plus supérieur côté rouennais, un peu plus d'homogénéité entre les joueurs. La qualité un peu supérieure individuellement, collectivement, on a senti qu'ils ont eu la mainmise dès le départ. En jeu de passe offensive, dans l'agressivité défensive. A été plus difficile du côté de la CTC Sud. Mais ça reste quand même que, quoi qu'il arrive, ça reste un tournoi positif pour la CTC Sud. Arriver en finale avec les équipes qu'il y avait, quoi qu'il arrive, après la déception de la finale, ça restera des bons souvenirs pour ces joueurs. Des belles expériences. Remise en jeu ligne de fond. Lambert. Trinquebier. Bisset. Deschelette. Il ressort sur Richard. Trinquebier. Oui, bien joué Anton. Deux points de plus. 67-48. Dans ce quatrième quart-temps, il reste 2 minutes 15 de jeu. 67 pour Rouen, 48 pour la CTC Sud. Zarbout. 3 points. Contré par Bisset. Essai du jeu rapide derrière. Trinquebier. Ressort sur Richard. Deschelette. Lambert, il n'est pas attaqué. Il prend le tir. Il a raison.
Il a un tir ouvert, il le prend. On sait qu'il a à droite 3 points. On l'a vu, ça va être son quatrième panier marqué, je pense, à 3 points. Vévry derrière qui va essayer de se venger. Dommage. Par contre, il y a un rebond offensif de Cabral Semedo. Ça ressort. Fevri. Zarbout au poste bas qui ressort bien sur Cabral Semedo. On ressort. Pourquoi pas. Et oui, avec la planche pour Abra. Et c'est 3 points pour la CTC Sud. 70-51. Il reste 8 minutes 20. Ringbier. Deschlette. Ouais, il prend en revers toute la défense à lui tout seul. Et il va obtenir de lancer. Et Antoine Ringbier qui sort au profit de Mathéo Chartier. Qui sera pour la dernière minute de ce match. Et la sortie du côté de la CTC Sud de Suliam Cabral Semedo et l'entrée de Salah Touré. Théo Deschelette a lancé. Dommage, 0 sur 2, Fevri. Théon, bien, on les back. 2 points de plus, 70-53, il reste 50 secondes dans cette finale. Lambert. Oh, il joue pour lui tout seul, pourquoi pas, mais il faut le mettre par contre, si on ne veut pas jouer avec ses coéquipiers. Chartier, ça ressort pour Richard. Main à main avec Lambert. Ouais, ça se bat derrière, on récupère la balle côté rouennais. Deschelette qui récupère la balle. Reste 13 secondes. Et c'est la faute pour Elijah Abrin. Il y aura deux lancers francs et deux équipes sont en pénalité. Richard qui sort. Mirchigui qui rentre. C'était la cinquième faute pour Gabriel Richard. Enfin, la cinquième faute, pas pour Gabriel Richard. Pardon. Par contre, c'est Théo Deschelette qui a au lancer franc. Réussit son premier lancé. Et 2 sur 2. Reste 9 secondes, 8 dixièmes. 72-53 pour Juan qui va gagner ce 49e tournoi international de Pâques. Et Fevri qui va peut-être. Ah, il prend le tir quand même jusqu'à la fin. Il n'est pas loin de le mettre. Ça y est! Corral de Rouen, vainqueur de cette 49e édition, 72-53 face à la CTC Sud, qui ont pris l'ascendant dès le début du match par un 7-0, même si derrière la CTC Sud était revenue, a même mené à un moment donné dans le premier quart-temps d'un ou deux points. Mais ensuite, le collectif et la vitesse de jeu, notamment beaucoup de jeux rapides pour Rouen, a permis d'augmenter l'écart. Ça reste quand même... Après la déception, un tournoi positif, comme je vous disais, pour le CTC. Les arbitres sont récompensés. À leur tour, par Bertrand Machabert. Et puis derrière, on va aller vers la présentation des équipes. On va garder le direct pour la présentation des équipes. Voilà, on va garder le direct pour la présentation. Les Coraliens qui remercient leurs parents, qui les ont encouragés. Attention à clapping. On a le droit au clapping.
Bravo aux Rouennais. Ils ont mérité de la gagner, ils ont dominé. Avec le challenge du Bruc à remettre en jeu l'année prochaine. Alors, mise en place du podium.